En aller, vaccine la bégonde et en aller. Je suis là parmi vous. Je me présente. Je me nomme Toto Bissinthe. Je suis né en Haïti. Et je suis ici aujourd'hui avec vous. J'ai donc fait le voyage en sens inverse. Et voilà, si on ne se connaît pas, on va faire connaissance. J'avais formé un groupe avec deux Antillaises, une Guadeloupéenne, une Martiniquaise. Il y avait aussi un musicien. J'avais deux musiciens, un Français et un Africain. Pour moi, c'était important parce que c'était là mes origines. On pouvait dire cette histoire ensemble. Le Français, l'Africain, les Antillaises et moi. J'ai rencontré donc pour cela un initié vaudou qui est un peintre haïtien qui s'appelle Max Pinchina et qui vivait à Paris, qui travaillait au journal Le Monde. Et j'ai demandé à Max, moi je sais qu'en cherchant bien, je pourrais trouver. La mémoire est en moi. En cherchant, en soulevant les couches, je pourrais retrouver. Mais toi, si tu peux dire aux autres ce qu'il faudrait, là où il faut passer pour entrer et communier avec ces chants. Et je me souviens, Max nous a dit, ce qui est le plus important, c'est l'eau et rappelez-vous la cale du navire. Toujours la mer, toujours l'eau qui nous prend, nous assassine. L'eau qui nous prend, nous assassine, nous tue. Elle boit mon sang, je suis sur l'eau depuis longtemps, trop longtemps. Papa Loco, c'est vent. Où c'est n'allé? Nous c'est papillon, on a poté, nouvelle baie à boire. Toujours dans les chansons d'Haïti, dans les chansons vaudou, on parle de l'eau, de cette eau à traverser tout le temps. Et le bateau, et je ne suis pas venue ici pour rester là. Je viens d'Afrique et je suis venue ici. Je n'étais pas venue pour rester et mon bateau a chaviré. Voilà que je suis là et je suis en esclavage. Les feuilles qui tombent, c'est l'oubli. Je laisse tomber l'oubli et je garde la mémoire tout au fond de mon bassin. Toi feuille, toi racine, j'ai déblayé, ramassé, songé. Vous aimez Antoinette et vous aimez Suzette. Vous avez Rosemary qui font de la jalousie.
votre amante c'est Marianne. Vous êtes incorrigible. Que faites-vous comme ça? Vous commettez des dégâts. Et dans ce spectacle, il y a c'est tous les souvenirs d'enfance qui remontent. Parce que j'avais envie d'abord de faire autre chose. J'avais envie de jouer la chanteuse carrément. Et puis j'avais envie de donner une autre écoute, une autre vision d'Haïti. Que ce ne soit pas toujours le tragique. Parce qu'on sait rire aussi dans le tragique. Je vais en Haïti, le peuple souffre, mais on vit, on exulte, et on tombe, on se redresse, on continue, on crève de faim, mais ça bouge tout le temps. Et il me semble que j'avais pas suffisamment parlé de ce côté-là, de cette force, de cette verdeur qu'il y a dans mon pays. En aller, vaccine la pécondé, en aller, vaccine la pécondé, en aller, mon chien.